dieux de mon Bambutos, les dieux de mon Manangumba, les dieux de mon Cameroun. Ici, pas de problème sans solution. Client numéro 1. Bonjour, Gama. Comment, mon fils? Ah, bien, Gama. Te vois-je, tu es un excellent footballeur. Oui, c'est vrai, Gama, c'est vrai. Tu joues bien au ballon, mais tu n'as pas la chance de jouer dans les grands clubs. On te recrute pas ci, on te recrute pas là, on te malaxe, on te paye même pas bien. Oui, Gama. Tu vas aller en Europe. Tu vas jouer dans le club de ton choix. Comme les Cristiano Ronaldo, personne ne doit voir ton derrière. Comme ce que toi as pu faire, tu vas faire le triplé de ça. Tu comprends? Oui, Gama. Tu as le passeport? Oui, Gama. Oui, je vais ça. Voilà, donne-moi ton passeport. Gamarabou, j'ai un problème. Avec toutes les frontières qu'on a fermées là, je vais faire comment pour... Non, ne t'en fais pas. Tu n'as pas le droit avec ça. Si, Gamarabou. Ne me remercie pas. Vas-y. Merci. Sans regarder le derrière. Ok, Gamarabou, merci. Tu signes ton premier contrat, ne m'oublie pas. Hein? D'accord. Client numéro 2. Salam alaikum. Aladji. Hé, grand marabout. Tu es ici parce qu'on a volé tes bœufs. Oui, grand marabout. Je fasse quoi de lui? Je veux qu'on le rend fou, grand marabout. Tu veux que je devienne fou? Oui, et le genre de folie que je veux l'envoyer ici, là, ce n'est pas le genre de folie que tu vas venir après. Dire, Il n'y a pas de problème, grand marabout, parce qu'il est parti avec toute la richesse. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, grand marabout. Lève-toi, tu pars. Ok, grand marabout. Et comme tu parles, il est déjà devenu fou, hein? Ne reviens pas après pour regretter, hein? Fallait. Okay, merci, grand marabout. Excellente journée à vous. Merci, grand marabout. Allô? Oui, bienvenue chez le médium. Madame, non, je vous avais expliqué la dernière fois. Il y a en face de vous un voisin. À côté de ce voisin, il y a une maison. Non, le monsieur de la maison là, il faut vous méfier de lui. Ce monsieur n'est pas bien. Son ventre n'est pas propre. Voilà. Non, la seule solution, c'est éviter ce monsieur. Parce que derrière la maison de ce monsieur, il y a une autre maison. Et non loin de là, il y a une route qui traverse. Excellente journée à vous. Hey, bienvenue, mon fils. Mais merci, grand marabout. Tu es venu avec ta soeur? Oui, je suis avec elle. Dieu merci que tu l'as amené. Attends, on ne peut parler de la lame parfaite. Grand marabout, donc je l'ai amené comme ça pour que tu jettes un coup d'œil sur sa vie. Elle ne croit même pas. Hein. On avait déjà pris l'argent sur sa tête depuis. Voilà. Où est marché là? C'est l'ombre qui marche. Son esprit est déjà loin. Elle ne croit pas que tu sois tout. Hein? Donc où elle est là? Elle mérite un lavage. Voilà. Donc, on va te laver. On va te laver. Pourquoi doit-on me laver? Ça serait un lavage noctambule. J'espère que tu as apprêté le nécessaire. Grand marabout, je t'ai apprêté. Je t'ai apprêté. Tu vois, c'est comme ça qu'elle allait devenir. On avait déjà pris l'avance sur elle depuis.
Elle marche comme ça, c'est l'ombre qui marche. Ce n'est plus elle. Son esprit est déjà loin. Qu'elle vient. Avance. Marabout va te consulter. Ah donc c'est ici que tu investis mon argent. Ma souffrance en ruraux. Ma misère, tu ne sais pas. Tu ramasses tout cela pour venir verser dans une telle affubérie. Il est très fort, hein. Il est très fort. Tous les médias là, on parle de lui. Le bourrage du cerveau, c'est ce qu'il vous a fait. Et mon argent, tu le ramasses, tu viens mettre ici. Ne doute pas. Tu vas voir les résultats. Tous ces petits. Tu vas voir les résultats. Quel résultat? Il n'est pas différent de toi. Tu vois bien? Ne doute pas. Pourquoi je vais détruire? Non, là. Je dis que je vais détruire. Je vais détruire. Ne tente pas ça. Ça c'est quoi? Ne tente pas ça. Je veux des rangs de folie. Ne fais pas ça. Bien. Même les 24 heures, là, tu n'as pas fait ça. Quelle 24 heures? Et tu le crains? Non, ne fais pas ça. Tu as fait comme ça. Il veut me lancer les hémorroïdes. Et de ça, tu as peur? Non. Moi, tu sais ça. Moi, je suis plus avec toi. Ne fais pas ça. Ça, c'est quoi? Mais Dieu, Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu fais comme ça et tu as peur. Ne fais pas ça. Je vais te tuer. Ne fais pas ça. Si tu es dans cette boîte, je vais ouvrir et tu vas mourir. Ne fais pas. Là, tu as exagéré. Tu vas ouvrir et tu vas mourir. Tu as exagéré. Oui. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas voir comment tu vas encore vivre. Ne fais pas ça. C'est fini. Ne fais pas ça. Tu as peur. Ne fais pas ça. Donc tu as peur de la mort.